Aïe, j'espère que vous allez bien. On va faire une story time. On est le lundi 10 octobre, je crois. Et donc là, je suis actuellement en Turquie, au Club Med, la Palmi. C'est génial. Je vais vous raconter tout à l'heure. J'ai failli mourir. Pourquoi? Mon petit cœur a failli lâcher. Alors, j'étais toute seule au bord de la plage. Mes trois camarades étaient déjà. J'appelle Nirintsu qui me dit qu'ils sont partis dans leur chambre. Donc, j'étais sur la route et je me suis aperçue que j'ai oublié mon sac. Donc, j'étais revenue à la place où on était assis ensemble parce qu'on s'est quittés entre-temps. Et il n'y avait plus mon sac. Donc, je le rappelle. Et il me dit, on a emmené ton sac au fait. Donc je suis rentrée à la chambre. Sur le chemin, je rencontre qui? Rencontre quoi? Oh mon Dieu! Jusqu'à maintenant, j'en ai la chair de poule. J'ai vu un lézard gros comme ça, juste à 1 mètre et demi de moi. Devant moi, elle était trop. Il était coloré, il était beau, tu vois. J'ai crié. Je regardais. Personne. Tu sais, quand tu mets des trucs comme ça, tu regardes encore les gens. Je regardais, il a disparu. Je regardais sur le pavé, s'il était là ou je ne sais quoi. En fait, il était parti. Il s'est enfui, je crois qu'à cause de mon cri, il s'est enfui également. Il a eu plus peur que moi. En tout cas, juste après ça, j'ai couru, mon gars. J'étais à même pas 20 mètres de ma chambre, j'ai couru. Même pour l'escalier, j'étais montée deux par deux. J'ai fait le sport de ma journée, je crois. J'étais même pas allée en salle de sport, mais j'ai fait ma journée là. Usain Bolt n'était pas plus rapide que moi sur ce coup-là. Donc voilà la story time d'aujourd'hui. Dites-moi de quoi avez-vous peur ou qu'est-ce qui vous a surpris il n'y a pas longtemps et racontez tout en commentaire. Est-ce que vous avez peur des lézards?